Je quitte 23 juin 2020, le gouvernement américain voulait retourner en Haïti, il y a un plus gros criminel Haïti qu'on a. Il est Emmanuel Toto Constant. Qui est Toto Constant? Toto Constant fue el fundador del Escuadrón de la Muerte FRAP, acusado de violaciones, torturas y asesinatos de miles de partidarios del presidente democráticamente electo, Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote portavoz de la teología de la liberación a quien Toto Constant se encargó de derrocar junto a militares apoyados por Estados Unidos a solo 7 meses de que Aristide llegara al poder. En peu le monde relève le diable, parce que c'est Constant qui était derrière FRAP. Qui ça frappe? Une organisation criminelle qui te travaille avec la Médaïti, avec Makout, avec Zinglendo. Une milice pour tout maspiner, violer tout le monde qui te veut démocratie. Il te gagne même avec bureau tout partout dans le pays. C'est Constant qui était secrétaire général. Cependant, Washington pimpel tourne à Haïti malgré qu'on ait en pile fois la justice haïtienne pas ba justice. Dans l'année 2000, dans la ville Gonaïve, la justice était condamnée Constant à un pile d'autres monde pour assassinat et planification assassinat dans Raboto. Massacre ça a été fait avril 1994. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer au tribunal là qui gens ont été ouais, qui gens ont été tendé en un mot, comment ont été vivre événement qui était déroulé à Raboto, sorti 18 pour arriver 22 avril dans l'année 1994. This is the entrance wound. Ça c'est côté of a bullet. Ce côté yon boulette en balle t'es rentré. You see? Mm-hmm. And it's a very high-powered, large-caliber bullet. C'était un zam qui était très lourd, qui était passé dans tout ça. This entered from behind. Li passé par derrière mon nom. And exited into the abdominal cavity. Et puis li sorti dans abdomen mon nom. Something this high-powered would have also exited the body, essentially blowing out. Le lap sorti li font gros orifice. The abdomen. Un gros trou. Et puis il peut sauter abdomen. This individual was found with a rope tied around its neck. Moun sa yo te joini avec yon corde mari nan koule. En reconstituant les informations donc du 22, il était clair que les militaires avaient bien organisé leurs affaires. Pas simplement qu'ils avaient bouclé, ils avaient mis des hommes autour du quartier, mais ils avaient également des hommes sur les rivages et dans des bateaux. Quand l'attaque a commencé de bonne heure le matin, d'après nos informations vers les 5 heures du matin, les personnes qui ont essayé de s'enfuir vers le rivage sont tombées sur des militaires qui étaient postés là, n'est-ce pas, pour les avoir. On a tiré sur ces personnes, donc certaines personnes ont été tuées. D'autres ont pu gagner des bateaux. On a tiré sur les bateaux. Certaines personnes, d'après nos informations, dans les bateaux, ont été tuées. La mission n'a jamais été à même de dire avec certitude combien de personnes ont été tuées, mais il était clair qu'il y avait quand même un nombre assez grand. Alors on a demandé d'aller sur place afin de pouvoir voir, n'est-ce pas, de nos yeux, ce dont on nous parlait. Quelques jours plus tard, le 27, on a trouvé un cadavre. Ici, par exemple, vous avez la photo d'un des cadavres qui se trouvait sur le rivage. N'est-ce pas? Je laisse aux experts de vous dire de quoi il s'agit, mais l'homme est mort. La justice était jugée non seulement Constant, mais en pile d'autres criminels, tant que général Raoul Cédras, Michel François, et puis tant que Jean-Robert Gabriel, qui actuellement dans la même atelier Jovenel Moïse. Là. Cependant, commissaire gouvernement Gonaïve l'a dit, c'est possible qu'il a relâché Constant. Commissaire Gazius dit, il n'y a pas de documents qui sont nécessaires pour respecter le jugement. Qui ça? Documents sont là. Il y a un petit rappel sur qui ça m'a frappé à la météfé. Il y a tué plus de 3000 personnes. Il y a tué Antoine Ismery. Il y a tué ministre justice Guy Malari. Il y a arraché Alain Belance. Il y a quitté le Titanien
il arrivait échapper, mais il était perdu un bras. Ce n'est pas tout le monde qui sauvé. John, can you put your pencil on that again? Thanks. Dog's beating off his feet and hands. As the human rights group discovered, bodies are once again. How old? Where's my man? Duvalier dumping ground. Souvent, on me pose la question, combien de victimes y avait-il, n'est-ce pas, en Haïti? Personne ne le sait. Parce qu'il y avait toutes sortes de victimes. Il y avait les victimes qui ont été bastonnées, il y a des victimes qui ont été tuées, mais il y avait beaucoup de personnes qui ont dû se déplacer. Des gens qui, donc, devaient quitter leur foyer, quitter leurs femmes, quitter leurs enfants. Des paysans qui devaient quitter leur terre, donc le gagne-pain était perdu. Des personnes, les boat people, n'est-ce pas, en 94, il y a eu une sortie énorme des boat people d'Haïti à cause justement du fait que la répression était devenue beaucoup plus forte. D'après nos informations, il était clair que les gens avaient peur parce que les militaires contrôlaient tout. Et on a vu quelque chose pour la première fois qu'on n'avait pas vu auparavant. Pas simplement les attachés, mais des personnes qui faisaient partie de ce nouveau groupe paramilitaire qui s'appelait le FRAP. Le Front révolutionnaire pour l'avancement et le progrès d'Haïti. Les barricades qu'on trouvait à cette époque à l'entrée des villes, les barricades n'étaient pas tenues par des militaires, c'était tenu par des paramilitaires, par les gens du FRAP. De ce côté-là également, il était clair que le FRAP disposait, n'est-ce pas, de moyens pour s'organiser, pour avoir une présence partout dans le pays. D'ailleurs, eux-mêmes, les leaders du FRAP, ils avaient vanté de cela, n'est-ce pas, qu'ils étaient partout. N'est-ce pas? Ils étaient partout. Et puis, on nous songe. Même les gens qui voient Constant Tourné, ils ont impliqué dans le coup d'État 91. Coup d'État ça, frappe ça, pas qu'ils ont affaire haïtien seulement. Constant pas organisé frappe pour contre lui. Il était travail pour CIA, agence gouvernement américain. Constant says the CIA first reached out for him in 1991 after he became an advisor to his childhood friend, General Raoul Cedras. He said he was given a code name, Gamal, and an agency walkie-talkie so the CIA could summon him at a moment's notice. And he says he went on the payroll at around $700 a month. How did you get paid? U.S. currency. Washington était au courant. CIA acclamé américain habitué fait intervention militaire chaque fois les parrains mes régimes qui en place là. Jean Commission l'avait été découvert dans témoignage en pile victime. Même frappe à plamer des faits nous en pile crime. Assassinat, maspinat, viol maman de venger petit. Constant doit payer ça le fait. Tout criminel frappe, acclamé, doit payer ça le fait. Victime Raboto mérite justice. Antoine Ismery mérite justice. Alain Bellos mérite justice. Toutes victimes méritent justice. À bas impunité. Créons peuple là, pas gagne.